Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour le briefing du week-end samedi 11 juin. On va commencer avec la réunion de Lyon-Paris avec le 204 d'Aigbout, un cheval qui reste sur des performances un petit peu moyennes, mais qui est bien redescendu sur l'échelle des poids. On a tiré un bon numéro de corde, donc à mon avis, il devrait bien courir. Au papier, sur ses bonnes performances, je le vois finir dans les trois premiers. On va ensuite passer au 308, Easily Amused, une pouliche qui vient de finir proprement quatrième sur l'hippodrome de la Teste. Je pense que le lot est certainement un peu plus faible en ce jour. Elle devrait, pour moi, courir et finir dans les trois sans problème. Ensuite, dans la quatrième course, numéro 7, Webinar. C'est un cheval qui va débuter sur l'hippodrome de Lyon, sur lequel j'ai pas trop d'informations, mais comme tous les pensionnaires de Francis-Henri Graffard sont en bonne forme, on devrait pouvoir compter sur lui pour finir à l'arrivée. Ensuite, le 606 Afterglow. Un cheval qui reste sur des performances un petit peu en demi-teinte aussi. Avant le coup, c'est plus une chance pour une place. Mais voilà, il vient de finir proprement, mais pas suffisamment pour lui estimer une première chance. Et ensuite, on va finir avec le 706, The Footman. Un cheval qui vient de très bien courir à Chantilly, qui a peiné un petit peu par manque de tenue sur sa fin de parcours. Je pense que c'est 100 mètres sur les pommes de Lyon. Ça devrait beaucoup mieux lui convenir. Donc je lui vois une première chance dans cette course.